Dans les vieux, ah oui. Oh. Les gens, ils ont besoin de rien. Ils ont personne qui les force à rien faire. Ils sont jamais pressés. Jamais, jamais pressés, les vieux. Ils peuvent prendre des heures et des heures et des heures à tergiverser la rue. Ils ont tout leur temps. Ils sont bien, les vieux. Ils ont personne qui les force à aller vite. Et même plus ils sont vieux, plus on est bon pour eux. On les laisse même plus marcher. On les roule. Ah, oh, ils sont bien, les vieux. Ils n'auraient même plus besoin de sortir du tout, les vieux. Ils ont personne qui les attendresse. Ils sont bien, les vieux, oui. L'hiver, surtout. Oh, l'hiver, ils sont bien. L'hiver, on leur donne un foyer, un beau petit foyer, modique, qui décrépite, pour qu'ils se chaufferaient les mitaines. Ah, ils sont bien, l'hiver, les vieux. Ils sont drôlement bien isolés. Ils n'ont personne qui les dérange. Ils n'ont personne qui les empêche de bercer leur ennui touffelé. Et comme ils ont tout leur temps, les vieux, comme ils ont tout leur bon vieux temps, ils revisionnent leur jeunesse rétroactive, qu'ils oubliaient à mesure sur leur vieille malcommode. Ils sont bien, les vieux. Et sur leur guéridon, les vieux, sur leur guéridon, ils ont toujours une bouteille, petite, bleue. Et quand ils ont des mots, les vieux, quand ils ont des mots qu'ils ne comprennent pas, des mots mystères, ils les amadouillettent. Ils les endorlotent. Ils sont bien, les vieux. Ils n'ont personne qui les garde malades. Ils n'ont personne pour les assister soucieux. Ils sont bien, les vieux. Ils n'ont même pas besoin d'horloge, les vieux. Ils n'ont même pas besoin d'horloge pour entendre les aiguilles tricoter les secondes. Ils n'ont personne qui les empêche d'avoir l'oreillette en dedans pour écouter leur cœur qui greline et qui frilote. Pour écouter leur cœur se débattre tout seul. Ils sont bien, les vieux. Ils ont personne qui... Ils ont personne. Personne. Personne.